Salut tout le monde, bienvenue. Ok, aujourd'hui, petit problème sur le Bandit et ça va marcher en fait sur tous les Traxxas en fait, que ce soit le Slash, le Stampede, VXL qui fonctionne en brushless, tous ceux qui ont en fait les moteurs et les variateurs Velineon VXL 3S quoi. Voilà, donc le problème c'est que si je branche, alors une batterie, enfin, si j'y arrive quoi, voilà, on va pas la mettre, on va juste la mettre comme ça, je vais vous montrer tout ça. Ça peut vous aider parce que j'ai galéré pas mal de temps. Vous allez voir. Donc ma radio est branchée. Ça va, tout va bien. Allez, c'est parti. Vous allez voir. J'allume. Et voilà, c'est ça que nous avons. Ça flash en vert. D'accord? Donc ça veut dire que au niveau des roues et du cerveau, tout marche. Par contre, quand j'appuie sur la gâchette, comme vous voyez là, voilà, il n'y a rien qui se passe. Ok, rien ne se passe. Voilà. J'ai regardé sur les forums et il y en a qui disent pas mal que c'est le variateur qui est mort. Ok. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'explications quand le Velineon flash en vert quoi. Voilà, donc c'est pas un problème de batterie, ok. Le variateur sait que ce sont là des batteries NiMH, il sait que ce sont pas des lipos. Le problème vient du fait que le neutre n'est pas réglé correctement. Voilà. Donc pour vraiment régler ça, il va falloir régler votre télécommande en fait au niveau du neutre, ok, au niveau du variateur. Donc pour moi, on va voir ça. Je sais pas, vous voyez pas grand chose. Désolé d'ailleurs, j'ai enlevé ça. Ok, elle est neuve. Alors pour moi, ce que je vais faire, donc j'ai cette radio, ok, la CR4T de Apsima. Bonne radio, hein, en fait. Hein. Bonne radio. Mais on peut le faire avec les radios Traxxas ou n'importe lesquelles. Hein, tant qu'il y a le neutre, un bouton pour régler le neutre, en fait. Voilà. Donc, je vais sur la course des cerveaux. Pour moi, je crois que c'est channel numéro 2. Et je vais le mettre. Peut-être 20%. Non, c'est peut-être pas celui-là. Subtrim, c'est ça, pardon. Subtrim, voilà. Subtrim des gaz. Voilà. Vous voyez pas trop, mais en fait, on voit pas très bien. Subtrim des gaz. C'est ça qu'il faut régler. Et moi, je le mets à moins, à peu près moins 20. Ok. Et normalement, alors, je l'éteins, je rallume, ça continue. Donc, on le met un peu plus. Ah, voilà. Voilà. Donc là, il continue. Ok, le trim n'est pas bon. Donc je vais régler jusqu'à ce que la voiture en fait s'arrête et qu'il trouve le neutre. De mémoire, c'est vers les moins 20. Non, on continue. Voilà, moins 25. Voilà, maintenant c'est mon neutre. Donc comme on voit maintenant, le variateur ne flash plus, ok. Il est en rouge et j'appuie. On va le faire de ce côté. J'appuie sur la gâchette. Voilà, avance, arrêt. Ok, droite et gauche.
Voilà, impeccable. Ok. Donc, on fera une vidéo un peu mieux. Ok, je montrerai dans mon garage. Ok, on fera une vidéo un peu mieux. Ok, pour vraiment expliquer. Mais si votre vélo-néon flash en vert, ok, c'est qu'il y a un gros problème du neutre des gaz. Ok, c'est que le variateur ne sait pas où est le neutre en fait. Ok, il y a un problème à ce niveau. C'est la deuxième fois en fait que j'ai ce problème sur un Stampede et sur maintenant ce Bandit. Ok, donc on va voir, on va le faire rouler, on va voir combien de temps ça tient, mais normalement ça devrait être bon. Ok, allez, j'espère que je vous ai aidé et à plus. Ciao.